Monsieur le banquier, Oui. j'ai besoin de ce prêt. C'est important pour moi. Tout ça, c'est à cause de ma maîtresse. Attends, moi j'ai vu que le prêt c'était pour vos enfants. Non, C'est pour la on ne fait maîtresse. pas faire cela. On ne fait pas faire cela. C'est que ma maîtresse peut faire. Ma maîtresse. Est-ce que tu peux comprendre? Non, je ne t'ai pas laissé pour ma maîtresse. Tu vas pas faire ça. Mon ami, j'ai dit, ta femme est derrière toi. Maîtresse, maîtresse, voilà, elle est arrivée maintenant. Donc, c'est la femme de... Elle m'a publié, bien. Ben, je cherche une fille qui va me donner des messages chaque matin. Tu vois, non, bébé, je t'aime, tu vois. C'est bien trop difficile. Au moins, elle lui donne 10 000 par mois. qui t'a livré le truc là? C'est toi. C'est toi qui me livre. À présent, les titres. Mais avant, la météo. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ton problème. Moi, c'est bien sorti. Météo! C'est grâce au courage que l'on peut affronter et vaincre la peur. La foudre vient de déchirer mon ami, mais c'est pas bien grave. Météo! Il a tellement plu hier, une forte pluie. Et les parents ont laissé les enfants à la maison, les enfants de 5 ans à 6 ans. Et la pluie les a emportés. Il était obligé de sortir et nager jusqu'à Bergerville pour retrouver ses enfants. Météo! La météo, quand il pleut beaucoup, il ne faut jamais garder sur la pente. Quand il garde sur la pente que la pluie vient, ça va emporter la pluie et toi. Météo! Vous savez, dans la vie, la météo, la pluie qui pleut à Bobo ne pleut pas à Yokobo. La pluie aussi qui pleut à Yokobo ne pleut pas forcément à Benjamin. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle croire en Dieu. Météo! Voilà. Météo. À Sini, il paraît que la pluie a tellement plu que. Météo! Aux États-Unis, la météo est partie avec 52 personnes, 2 Américains, le reste c'était des Ivoiriens. Météo! On a voulu les attraper, on dit bon, laisse pas les gars. Ils sont venus à la nage. La météo, c'est l'histoire de pluie, orage, foudre. Météo! Moi, par exemple, quand il y a les tornades là, moi je prends mon casque, je mets sur mon oreille pour éviter. Mouvement dans lequel on est là, c'est marmaille 1 appelle marmaille 2. Je te sais, il y a tellement d'insécurité encore aujourd'hui. Les gens n'ont aucune valeur morale. Ils passent leur temps à aller voler, agresser les biens. Entends le président courant l'investissement. Tu sais, à Zito hier là, il y a des gars qui sont les cambrioleurs d'un supermarché qui s'appelle Grâce Divine. Ils ont pris un ordinateur, 600 000 francs. Ça comptait 20 sacs et te dit, 20 sacs de bouteilles d'huile et tout. C'est pour aller fêter ou bien? C'est pour aller fêter ou bien? Oh. Joe, tu sais qu'à Bergerville, là, cette affaire de faux voleurs et puis faux clients, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Mais au-delà, ça dévoile seulement à Paris. Quoi. Non, en fait, dans la nuit d'hier, là. Hé, il y a un taximètre du nom de Bakary, il te jure tout ce que je cherche. Il a embarqué 2 clés au forum d'Adjami pour Bergerville. Maintenant, sur la route, là, les gars ont commencé à s'écrire, de nouveau, mon vieux, mon gros, c'est le bolo, bolo, un peu de nouchi façon. Moi, ça rend compte, là, ils ont volé son compteur. Attends. Ah, mais ils comprennent pas. Le chauffeur est dans les compteurs, non? Ils ont volé voir mort, non, 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 ils ont commencé à l'enjailler, non hein? Ils ont volé son compteur. Yeah. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'arrivé là-bas, là, là, ils sont arrivés dans un maquis qu'on appelle Prendra. Arrivé devant le maquis, là, il dit là, il a mal au ventre, il va garer. Donc, il a donné le billet au client. Là, ils ont fadi même sa recette. Mais là, quand tu vas dans le taxi, même là, fais attention. Mais souvent, c'est le taxi même qui fait mal au client. Je te dis que même code de sécurité, même n'est pas en sécurité. Ouais, ouais, ouais. Donc, et puis dans l'amusement, là, toi, il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Hein. Toi, tu as le scoop de tous les vols, quoi. Oui, que? Vous devez prendre vos responsabilités dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bon, on va introduire le journal. J'espère que monsieur dit qu'on s'est trop amusé, tu vois, non? Oui, là, ça te fait des vols seulement. 5, 4, 3, 2. L'Afrique est en train de perdre ses traditions.